Et salut à tous et bienvenue sur Xenoverse 2 pour être un touriste. Voilà, déjà j'ai le stuff de touriste. Je suis prêt à en être un et à jouer aux cartes comme un gros touriste. C'est parfait, j'ai dit touriste 40 fois. C'est parti, allons jouer aux cartes. C'est aux figurines techniques. Allons jouer à Pokémon. Voilà, j'adore être un touriste. Donc ce qu'on va faire vite fait aujourd'hui, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Je voulais juste rejouer au jeu. Et j'aurais pu faire en hors caméra, mais j'avais envie. J'en avais même besoin de tout le temps répéter, ce jeu est trop bien. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va commencer par faire un Jack, à faire deck 2, on va tenter un truc. On va tenter de mettre les SR. Est-ce que je peux avoir des infos? Alors lui, il s'est mis, on va dire, sur le slot 2 et le slot 6. Hein. Bon, voilà, j'essaie de me repérer un peu comme ça. Lui, c'est parfait parce qu'il se met sur d'autres. Son Goku. Voilà, Frisouille. Parfait, parfait. Frisouille, c'est quel type de médaille? Marqué où? Ah, c'est. Ok. Ça, c'est vitesse. Ça, c'est attaque. Et ça, c'est attaque. Parfait. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Là, j'ai un R. Oula, attendez. Ok, attendez. Attends. Peu de calme. Alors là, on est 2 et 6. On a 1, 2, 3, 6 maintenant. 1, 2, 3. Ok, donc il manque une au mid. Mid-bas. Mid-bas, mid-bas, non. Non, personne. Personne ne peut se mettre mid-bas. Ah, j'ai un double de Piccolo. Un petit doublon. Personne mid-bas. Très bien, et bien dans ce cas-là. C'est quoi déjà? J'ai pas de défense. On va mettre un Piccolo, je suppose. Attendez, ah, je peux peut-être. Posture défensive. Non! Déçu. En live. Ok, non, c'est pas très simple de savoir si c'est en défense ou. Attendez, c'est. Oh, attendez, j'ai mal lu. Chacun a des effets différents. Donc lui. Plus 1000 à ton attaque, plus 10% de dégâts infligés aux ennemis attaqués. Ok. Ok, c'est très différent. Qu'est-ce que je pensais? 15 de déclenchement pour un bonus de 500 à ton attaque et 20% de dégâts d'attaque ultime. Très fort, et lui, ça va être pareil avec la vitesse en plus. Ok, et je vais essayer de pas mettre de doublon dans mon deck. Enfin, je veux dire, je vais pas mettre un Vegeta Namek, un Vegeta Namek. En mettre deux, je trouve ça un peu abusé. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup mieux. On va mettre un Piccolo parce que Piccolo c'est cool. Et il est type défense. Et je prendrais bien un Trunks s'il est de rapidité. Hop. Freezer est déjà. Non, Freezer est rapide déjà. Techniquement, ça c'est pas un deck trop dégueulasse, je pense. Ah, on peut débloquer des. Écoutez, je vais déjà claquer. Voilà, je vais claquer de quoi avoir 3 decks. J'aurais pas besoin de plus pour l'instant de toute façon. Ah, parfait, on peut avoir leur niveau et tout. Ok. Figurine, on va. Est-ce qu'on peut food améliorer figurine? Ça m'a l'air d'être ça. Hein. Non, c'est enfin, j'utilise mon XP de figurine pour faire XP les. Ok, est-ce que je peux en. Équiper talent? Ok. Non, j'ai rien à acheter pour l'instant. On va tester par exemple. Non, non, non. Pas de retour à Dakota City. Boutique d'amélioration. Objet. Non, c'est pas ça. Talent. On va prendre. Ah, je vois. On va prendre. Ok, on peut prendre des malus. On va prendre pour l'instant. des boosts late game. On va tenter de jouer. Ah, late game, ça serait plutôt pour des personnages qui ont beaucoup de défense. Et là, j'ai pas trop ça. Donc, on va prendre des T2. T2, je trouve ça bien. On va en prendre 3 par exemple. Et 2 de défense. C'est qu'un test pour l'instant. De toute façon, j'irai farmer les TP. Et là, on pourra faire des invocations. C'est vachement cool. Ah, c'était une anecdote un peu nulle. Alors, par exemple, si je pense Goku, je peux l'équiper. Ah, on peut l'équiper de 3 trucs, oui, parce que c'est un super rare. Pas les mêmes. Ok, par exemple, est-ce qu'on lui met de la défense? On va mettre de la défense. Parce qu'on n'a pas envie qu'il meure du coup, vu que je l'équipe d'un truc assez fort. Pareil pour Freezer et on va mettre un dernier Vegeta. Ok, très cool, très très cool.
Rupture de limite, ça se passe comment? On peut augmenter la rareté qui retarde le niveau max, bien ce que je pensais. Il va falloir farmer. Rupture de limite. Okay, il passera en mode Vegeta Big Bang Attack. Super Vegeta, du coup. Enfin, 20 plus M, 10G et 5T. Ouais, ça va être long. On va peut-être booster. On va booster beaucoup Freezer. Voilà. On va booster le petit Goku. On peut le monter que niveau 2. Voilà, parfait. Parfait. Et ça m'a l'air pas mal. On va tenter un combat, on va faire. Est-ce que. Je vais regarder l'histoire juste pour voir. Ok, on peut refaire l'histoire. Donc si jamais vous avez vraiment envie que je fasse l'histoire en vidéo, c'est faisable. Ok, là il a des niveaux 2 et niveau 3. Ok, et on gagne des bonus T1, T2. Ok, très cool. Bon, du coup, c'est le retour. Donc on a... ouais, je pense qu'on va faire l'histoire. Parce que... Enfin, c'est quoi combat libre? Le jeu des combats de figurines entre les personnages du jeu. Attendez, combat libre. Ah! Non, combat libre, ils sont plus forts quand même. Ouais, ils sont bien plus puissants. Ça se tente, hein. On va tenter contre Goten. On fera l'histoire une autre fois. De toute façon, si vous voulez que je la fasse, bien sûr, on la fera. Mais pour l'instant, faisons des combats libres. Très cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, il fallait que je dise. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième vidéo. Il fallait que je dise que j'adore le jeu. Oh, c'est vrai que je suis un touriste. Je mettrai un vrai stuff un jour. Quand je serai plus haut niveau là. Vous voyez, je suis encore le newbie, genre le gars qui joue à Pokémon Go et tout. Je viens d'arriver, mais je ne sais pas jouer. Voilà, donc de toute façon, je suis un peu nul, mais ça va changer. Ok, ils ont des bonus T1, donc il fait beaucoup de dégâts dès le début, lui. Je vais peut-être en rajouter à mes persos d'ailleurs. Ok, on va tenter. C'est moi qui commence, hein. Peut-être mieux de prendre, ouais, de la défense. Et on va tout balancer là comme ça. Parfait. On battra avec cette formation. Ah, évidemment, il me counter. Ah, et le Gon il est puissant aussi. Parce que le Gon booste l'attaque spéciale. Après, mon Goku aussi. Bon, là j'ai des gros dégâts. Et j'ai de la défense, mais sur un endroit où ça sert à rien. Ok, lui par contre il a mis sa défense vers le fond, je vois pas l'intérêt. Ouh, ce Genkidama. Ok, là faut pas se rater. Ok, et en plus on a du temps, faut pas attendre trop. Ouf, de pas beaucoup, hein. Allez, c'est parti. J'essaie toujours de la bouche, de la gorge plutôt. C'est un détail. Je sais encore pas temps, combien de temps on va faire la vidéo, mais là je kiffe, donc je suis à fond dedans. Je suis à fond. Oh! Oh! Ok, en fait, c'est que j'ai des cartes tellement OP que j'avais pas besoin d'XP. Bah oui, parce que c'est vrai. Oh, Goku. Attaque bonus. Merde, j'ai pas le temps. Parce que j'ai hésité. Ok, c'est bon, ça aurait quand même été cool. Ok, c'est qu'en fait, ouais, du coup, j'ai tellement droppé des bons trucs, ça passe. Ok, parfait, là j'ai tout eu. Ça va faire beaucoup de dégâts. Oh, il fait le combo. Le combo, Piccolo. Ah, je m'attendais à mieux, mais non. Tant pis. Atakia. Je vais bouffer. Regardez-moi ce touriste. Sa barre a grave chargé. Sa barre d'ulti, je veux dire. Je pense que je peux refaire exactement la même strat là. Non, non, parce que les bonus T2, c'est Freezer, Goku et Vegeta qui les ont. Donc c'est eux qui vont partir. Merde. Et un sur chaque ligne. Parfait, mince. Ah, Freezer va prendre cher. Mais après, Freezer est boosté. Ah non, c'est pas Freezer, c'est Vegeta. Enfin, ils me tueront quoi, Vegeta c'est tout. Ça devrait aller. Ça devrait passer sans trop de problèmes.
J'ai pas encore de strat pour l'instant. Pour l'instant, je me contente de foncer dans le tas et d'espérer que ça passe. 70%, ok. J'ai beaucoup plus de vitesse. Voilà, on va prendre le 190, ça devrait aller. Voilà, sans aucun problème. Ouais, c'est boosté. Ouais, ça sera pas suffisant. Hein. Okay, ça se booste beaucoup. En avant. Voilà, c'est le squad. Genre, c'est le squad Namek. C'est les trois plus puissants de Namek. Tous ensemble. Même si Piccolo était aussi pas mal. Je pense que j'étais supérieur. Squad Namek, c'est parti. Ok, parfait, j'ai tout vu. J'ai failli pas l'avoir. Vas-y, Freezer. On y croit. Plus Freezer, il est boosté là. Ouh, il fait mal. Quand il va avoir son ulti, lui, là. Vas-y, Vegeta. On y croit. Oh là là là. Oh, one shot. Vegeta, il fait trop mal. Ok, Goku contre son fils. En SSJ, évidemment, parce que toujours plus. Ok, Goku l'a défoncé. Ok, attaque. Il en reste plus qu'un, par contre. Tu vas faire quoi face à ton père? Il a une meilleure qualité que toi, tu pourras rien faire. Ok, là ça va être fini. Il a son attaque ultime. Va falloir balancer de la défense en fait, finalement. Est-ce qu'on peut. Quelqu'un. Non, c'est vrai qu'on peut. Ok, du coup on va faire un truc. C'est lequel Vegeta qui est le plus fort, toi? Ouais, hop, c'était l'autre. Du coup. Hop. Vegeta, tu passes au milieu, juste pour. Parce qu'il faut qu'on détruise. Non, c'est même pas Vegeta, c'est Freezer. Parce qu'il faut qu'on détruise le gars qui va faire l'attaque ultime. Et donc, il nous faut de la vitesse avec Freezer. C'est que Vegeta, on aurait peut-être pas eu assez de vitesse, il nous aurait peut-être mis l'attaque ultime obligatoirement. On va voir. Et on a Piccolo au cas où, si jamais ça tourne mal. Pour défendre. J'ai fait une petite strat, hein, sans même le vouloir. Bon, le 290, alors là, t'es foutu, mon petit gars. Oh, toujours plus. Ça marchera pas. Ça ne suffira pas. C'est parti. Le squad. Encore un squad Namek. En fait, j'ai la team Namek. Ouais, en plus, c'est vrai, j'ai vraiment une team Namek. Il manquerait plus que Krillin ou Gohan. Ça serait parti. Ouf. C'est fini. Du coup, bah. Rip Goten, tu as perdu. Je suis un touriste. Alors, on XP. Ouh, niveau 2. Et une puce boost. Nice. Simulateur de combat, est-ce qu'on va débloquer d'autres? De toute façon, je vais tenter Trunks, ça. Ok, on a que Trunks. Mais il nous donne d'autres puces. Parfait. C'est parti, pas besoin de monter de niveau, de toute façon, vous avez vu, c'est passé sans problème. Je veux juste un peu de challenge. Je vais pas aller en ligne par contre pour avoir du challenge, parce que là ça va être violent. Ok, c'est parti. Bon voilà, le plus beau évidemment. Il est beau. Vous pouvez arrêter. Bon, ça va, toujours plus. Ok, on va balancer les dégâts. Hein. Dégâts bruts. Qui a le plus? Ah, c'est Vegeta. Mince, je crois que je me trompe. Voilà, on balance les gros dégâts. Dès le début. Autant finir ça le plus vite possible. Ah mince, on va appuyer. Vas-y, booste-toi, y'a aucun problème. Moi aussi, je me booste. Bon, j'aurais pas de vitesse, donc ça se trouve, il va me taper avant. Non, ça va. De toute façon ça passera. Personne ne va mourir. Face Genkidama. Parfait. Et ça charge bien parce que j'ai pas pris de temps à choisir. Il y a un 260. Ouh, c'est passé. Non, ça passe pas. Il m'attaque avant. S'il a eu son truc, s'il vient de le booster. Ah non, j'attaque. Non, il va m'attaquer. Ah non. Ok, j'ai pas compris. Ouf, le Vegeta. Juste celui qui est grave fort. Et ça one shot tout, il fait trop mal. En plus, quand il tue quelqu'un, il gagne des bonus, quoi. Ça, c'est pas beau. Et ce Goku. Oh là là.
La violence. L'autre Vegeta. Qui fait un canon avec lui. Je décède. Sinon, je vais essayer d'arrêter de décéder jusqu'à la fin de la vidéo au moins. Ok, Vegeta qui me fait des dégâts. Pff, qui rate, lamentablement. En vrai, j'ai pris cher. J'ai deux figurines en moins. Ok, là il faut balancer le squad. Quoi, juste mettre Freezer à la place de l'autre Vegeta. Parfait, et là, c'est parti. J'ai carrément rushé pour avoir un max de Genkidama. Si on pouvait faire un petit Genkidama, ça me plairait. Et ça se booste, ça se booste. Toujours plus de boost, hein. Face Genkidama, c'est parti. Ouh, ça charge bien, ça charge bien. Parfait. C'est moi qui gagne largement. Mais c'est toutes ces figurines. Ah ouais, ça se trouve je vais les achever en fait. Avec le squad là. Oh là là, le squad. Allez, Freezer. Je me demande s'il y a déjà Cell et tout, ou si pour l'instant on a juste l'arc Freezer et les SSJ. Non, on a Boo de toute façon. Bah, je me demande du coup si on a genre Gohan SSJ2 et tout, ou alors on, si on a majoritairement l'arc Freezer. Non, on a Black Goku aussi, je suis con. Alors je verrai bien, de toute façon je vais faire des invocations. Je les ferai avec vous du coup. Je vais faire 40 millions de vidéos sur ce mode. Enfin, ce mode. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ou Frizouille. Il est pas très solide. Elle sera suffisante sans problème. La Goku qui va s'en battre les couilles, attention. Il se prend un gomme gomme rafale, rien à foutre. Il a l'attaque ultime, ok. Ok, ok, bah de toute façon, je crois qu'on va relancer exactement la même chose. Il n'y a pas beaucoup de stratégie à avoir là sur ce coup-là. Voilà, en plus, pff, Freezer qui nous booste. Vegeta qui est toujours plus puissant. Goku qui booste les dégâts. Ça va être très important de garder Goku à chaque fois, parce que si je peux faire une attaque ultime, à un moment, elle va être dévastatrice. Déçu. Je pourrais pas lancer le Genkidama. Parce que c'est fini. Alors là, au niveau de la vitesse, je le défonce. Désolé de mourir, hein, encore une fois. Bref, allez. Le squad de retour, c'est fini. C'est fini. Désolé, Trunks. Si, c'est Trunks. Pardon. C'est vrai que c'est Trunks le leader. Et Vegeta. Qui tente. Oh là, la rafale. Et c'est mort. Désolé, Boo. C'est ça qui gagne encore un boost. De toute façon, ça sert à rien. Ah non, parce que j'aurais pas fini là. Ouf, Trunks qui est pas bien. Attaque, il en reste plus qu'un. Qui tente de frapper Freezer. Freezer qui sont fous complètement. Ok, bah du coup je vais relancer exactement la même chose. Ah, attaque ultime prête. Ah, de lui, encore. Bah non, parce que c'est la même, c'est vrai que. Tout à l'heure je l'ai empêché. Ah, toi, Powerful Genkidama, je l'ai jamais fait, je sais pas comment ça marche. On va voir, face Genkidama. Est-ce que je vais être à fond là? Comment on lance? Ok, j'ai bugué mentalement. Comment on lance le Genkidama? Me dites-moi en commentaire, de toute façon, j'aurais sûrement trouvé. Entre temps, parce que j'aurais relu les tutos en mode. Comment on fait? Bon, désolé, Trunks, mais t'es pas bien là. Attaque bonus en plus. Allez, Freezer qui défonce Trunks, hein. En live. Allez, là ça va être la fin. Ouais, parce que Vegeta va défoncer Goten. Et voilà, une game rondement menée. J'arrive pas à parler. Je suis un touriste. Mais de niveau 2. Niveau 3, pardon, excusez-moi. Et on revient au simulateur pour voir si on a débloqué des trucs et pour augmenter le niveau vite def. Non, pas qu'on va en ligne. Non, pour l'instant on a rien. Ouais, il va sûrement falloir avancer dans l'histoire pour avoir des gens plus forts. Ok, on va augmenter le Goku un petit peu. Pas trop. Je vais monter jusqu'à niveau 5. On va le mettre niveau 4. Parce qu'il faut qu'il reste sur le terrain longtemps
pour pouvoir me procurer des boosts. Mais en même temps, c'est Vegeta qui fait le plus de dégâts pour l'instant. Qu'on va booster Vegeta aussi, pas mal. Parfait. Encore plus violent qu'avant. Est-ce qu'on peut augmenter juste pour troll? Ah, on peut l'augmenter vite def. Waouh, il est fort. Hein. Il est beau. Et quand je... Allez, pourquoi il est marqué personnalisé? Ok, ça sert à rien. Je veux juste savoir si on peut pas tèche quelqu'un. On peut pas te vendre toi, peut-être dans le magasin. Bon. Non, non, non. Allez, c'est cadeau, je vous fais une petite invocation. Juste une. Ok, un Piccolo SR. Bah du coup, je sais qu'il va dégager dans ma team. Le Piccolo qui est pas SR. Ah, vraiment que je farme, ça me fait chier un peu. Alors ça c'est pas le bon Piccolo. Ah, démantelé les figurines on peut faire. Du coup, faudrait que la figurine soit pas dans mon deck. Par contre, là, je mets mon Piccolo ultra fort. Peut-être tais-je le Piccolo faible d'ailleurs, oh, pas maintenant, plus tard. Et là du coup, je meurs. Et ce Piccolo que j'utilise plus, je peux le démanteler pour gagner de l'XP. Oh, 100 d'XP. Par exemple, on va améliorer le Piccolo avec ça du coup. Voilà, il a absorbé l'autre Piccolo en fait. C'est la puissance de Namek. Voilà, parfait. Piccolo est pas mal tanky de ce que je vois. Je compare les deux. Ah non, défense il est nul par rapport à Freezer. Surtout au niveau des PV. Oui, c'est un sac à PV, mais c'est tout quoi. Je regardais vite fait. Du coup, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir suivi. Moi, je vous dis à plus et à la prochaine. Zou. C'est trop bien. Venez sur le Discord pour faire des duels et des tournois. Bref, zou.